On est toujours en direct à Saint-Dizier-Mabaron, on est toujours le 8 septembre 2019. Le soleil, hein, ça c'est, je ne sais pas pourquoi, mais la pluie ne veut pas venir, peut-être on verra bien. Monsieur le maire, toujours alors là derrière un magnifique vélo qui démontre bien que Saint-Dizier-Mabaron adore le cyclisme. Avant de parler avec Didier du club de Bourganeuf, j'aimerais qu'on parle de la commune de Saint-Dizier-Mabaron, les habitants, la surface. Alors monsieur le maire, ça représente quoi? Alors la commune de Saint-Dizier-Mabaron est une commune qui a très peu de vécu puisqu'elle a été créée le 1er janvier 2019, création de commune nouvelle avec nos amis de Mabaron-Mérignat. Alors ça, le total des deux communes maintenant, nous passons donc à 1176 habitants, donc ça change tout puisque de deux communes qui étaient à moins de 1000 habitants, nous passons maintenant à une commune de plus de 1000 habitants. Ça change beaucoup de choses sur le plan budgétaire, au niveau des dotations, etc. Et puis ça nous permet de travailler autrement. Mais sinon, au niveau des habitants, le fait d'avoir sur ce nombre rassemblé les habitants de Saint-Dizier-les-Rennes et les habitants de Mabaron-Mérignat, est-ce que ça perturbe un peu la donne quand on est maire d'une commune? Bon, ça perturbe pas, ça change la donne parce que c'est vrai que le travail n'est plus le même, notamment au niveau du secrétariat de mairie, c'est complètement différent, notamment au niveau des emplois techniques, c'est différent aussi puisque la commune est grande maintenant, hein, puisque c'est 7000 hectares, donc il faut mettre les moyens ensemble, vraiment mettre les moyens ensemble. Alors il faut quelques mois, hein, ça se fait pas comme ça en un clin d'œil, mais c'est vrai que ça change énormément de choses, oui. Sinon on va passer à... Alors, Bourganeuf, on ne va pas dire qu'il y a une histoire d'amour entre Bourganeuf et Saint-Dizier-Mabaron, parce que sinon on pourrait comprendre des choses un peu bizarres, mais quand même, Bourganeuf est souvent à Saint-Dizier-Mabaron, feu Saint-Dizier-les-Rennes. Pourquoi Didier? Déjà, comme on parlait des femmes au club, on a pas mal de féminines, et ça c'est une chance. Et comme on parlait aux performances des femmes, là, comme il y a eu la Transcontinentale, c'est une femme qui a gagné, une Transcontinentale 4000 km, donc elle est arrivée première. Sur 249 concurrents, vraiment c'est comme quoi les femmes ont vraiment leur place et elles ont la possibilité de faire des performances au-dessus des hommes, ça c'est vraiment très bien. Alors nous on vient à Saint-Dizier pour organiser le cyclocross qu'on organise depuis plusieurs années, on a même fait le régional, donc le cyclocross UFOLEP. Et on est toujours très bien accueillis, on a le circuit qui est l'idéal autour de l'étang. Alors, on va repartir à Monsieur le maire. Monsieur le maire, Saint-Dizier-les-Rennes, aujourd'hui Mini Tour Creusois, la finale. Ça fait quelques années que Monsieur le maire voulait la finale du Mini Tour. Je sais que les maires la réclament parce que je ne dis pas que les autres épreuves sont médiocres, mais c'est pas la finale. Les jeunes le savent, ce jour-là c'est un grand jour et c'est le jour où on règle nos comptes et on récupère les maillots définitivement pour la maison. Donc, automatiquement, il y a plus d'engouement et d'animation peut-être que sur certaines épreuves. Mais Monsieur le maire, vous n'avez pas accueilli que le Mini Tour Creusois, vous avez accueilli des grandes, grandes épreuves. Qu'est-ce qui est passé par Saint-Dizier-les-Rennes depuis plusieurs années? Bien, beaucoup de choses. Il faut se dire d'abord que Saint-Dizier-les-Rennes, c'est une commune sportive, mais également de cyclisme, parce qu'il y avait des épreuves depuis des années, où on a un vainqueur célèbre qui était Raymond Poulidor, hein, qui a gagné ici à Saint-Dizier-les-Rennes. Et puis, il y a eu un petit temps mort de quelques années et que l'on a repris donc il y a environ 10 ans. Alors, c'est vrai qu'on a eu des courses célèbres. On a été le support d'un départ du Tour du Limousin, une étape du Tour du Limousin. On a également vu le passage de Paris-Nice ici. On a eu il y a 2 ans le championnat de France cycliste des élus. On a du cyclocross tous les ans qui se font. Et puis on a le Mini Tour Creusois qu'on accueille tous les ans avec plaisir. Et cette année, bien sûr, c'est vrai qu'on accueille la finale aujourd'hui. Et c'est vrai que nous en sommes très fiers parce qu'en plus, le Mini Tour Creusois, pour moi, dans mon esprit, ça représente vraiment l'esprit du cyclisme et de tout sport, puisque ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes et vous avez bien fait, et je crois que vous avez la vérité là, puisque le sport, on doit passer d'abord par les jeunes. Si on oublie ça, je crois qu'on oublie l'esprit du sport, parce que c'est eux les futurs concurrents des années prochaines. Et ça, bravo, je voulais vous le signaler, parce que là, vous êtes dans le vrai. Merci, c'est vrai que le comité départemental, toute cette équipe au comité, elle œuvre depuis de longues années et a déjà des projets, puisqu'aujourd'hui on n'est déjà plus dans le Tour 2018 ou 2019 ou 2017, on est déjà passé au Tour 2020, 2021, 2022, on réfléchit aux peut-être nouvelles catégories, il y a des bruits qui courent.
ils sont faux ou ils sont vrais, j'en sais rien, mais en tout cas il y a des nouveaux projets en cours, parce qu'aujourd'hui quand on a des équipes comme Clermont-Ferrand, pour pas les citer, hein, on a l'Orléanais qui est venu, on a la Châtre, on a la Charente-Maritime, le Poitou-Charente, on a Confolens, on a la Rochefoucauld, enfin c'est des équipes, alors je cite pas les équipes de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze qui sont notre feu Limousin et sur lesquelles je suis bien sûr très content de les recevoir parce qu'ils ont été les premiers à rendre valeur au Mini-Tour Creusois, mais c'est grâce à eux et à l'outil internet et numérique Facebook qu'on a pu communiquer et faire venir des équipes d'ailleurs avec des catégories de jeunes qui finalement sont venus sur une épreuve de masse et une épreuve de qualité. Et voyez, je rebondis sur une chose parce que le département, c'est là où le conseil départemental agit en notre faveur, et ça se voit pas, mais pas qu'au niveau du sport, mais le numérique, le tout numérique, parce que sans faire de la politique, aujourd'hui, si dans notre département il n'y avait pas un projet tout numérique avec des réseaux fibreux, etc., on ne pourrait pas communiquer au-delà de notre territoire. Et Saint-Dizier-les-Rennes est acquis cet outil tout numérique. On a quand même des gros partenaires publics. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne vais pas tous les citer, mais on a quand même Enedis, qui est un très gros partenaire pour le mini-tour et qui nous amène l'électricité dans les maisons, hein, quand même, donc c'est pas un moindre coût. Voilà, après, on a des partenariats avec des sociétés très importantes, comme par exemple, on a le groupe Renault-Gibault sur Guéret. Après, on a Groupama, on a le Crédit Agricole, on a l'Intermarché à Sainte-Fère. Voilà, les partenariats, autant vous dire qu'il y en a. On a Sport 2000, on a l'entreprise Nuno Aluminium, voilà, des partenariats, on n'en manque pas, j'en ai sûrement oublié à l'heure actuelle, de toute façon ils seront mis en valeur toute cette journée, parce que c'est eux qui aussi amènent, ici à Saint-Dizier en tout cas aujourd'hui, à cette finale, au Creusois, l'animation qu'on a. Voilà, donc je voulais vous remercier, la journée va se continuer, va se terminer, ce soir, ah, monsieur le maire a un petit mot à dire, alors on va écouter le mot de monsieur le maire. Oui, simplement, je voulais dire, parce que si il y a des animations à Saint-Dizier-les-Rennes, et il y en a pratiquement toutes les semaines, c'est grâce aux associations. Et je voudrais les remercier vraiment sincèrement, parce que c'est grâce aux associations qu'on vit bien à Saint-Dizier, qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées dans le sport, mais que ce soit culturel, etc. Donc, merci aux associations, parce que c'est eux qui sont les poumons vraiment du bourg de Saint-Dizier-les-Rennes. Alors c'est ce que je voulais faire aussi, monsieur le maire, je voulais terminer justement à Saint-Dizier en disant que la journée n'est pas finie. Ce soir, on va remettre le maillot or du Tour, hein, le vainqueur du Tour 2019. Certains ont des petites idées, tant mieux. Moi, je ne fais pas de plan sur la comète. Quelles que soient les catégories, Benjamin Minim Cadet, bravo au résultat que vous avez fait. Et je le dis souvent, je le dis depuis quelques années, il n'y a pas de meilleure place au Tour. Il y a celui qui fait le Tour. Et vous savez, c'est un peu comme au Tour de France. Effectivement, il y a un maillot jaune, comme il y a eu Julien Alaphilippe il y a quelques temps, et ça s'est terminé par Bernal. Mais on a eu des Tony Galopin, on a eu des Romain Bardet, on en a eu bien d'autres, et ils sont là. Même le 30e, même le 50e du Tour, il a son... Eh bien ici, au Mini-Tour Creusois, même le 30e dans sa catégorie, il a largement sa place, et il a sa valeur quand il va sur d'autres épreuves. Et donc, je voulais terminer là-dessus pour féliciter tous ces jeunes, et féliciter effectivement le monde du bénévolat. Ce berceau nourricier, parce qu'aujourd'hui, c'est à Saint-Dizier-les-Rennes, c'est un comité des fêtes très dynamique. Monsieur le maire, ben merci, parce que la municipalité, les cantonniers, quand on entend la surface de territoire à entretenir et le peu de cantonniers qu'il y a, ça va être difficile de dégraisser la fonction publique, parce qu'il en faudrait plus qu'il en faudrait moins. Voilà. Après, derrière, Bourganeuf, merci d'être support, le club support de la finale du mini-tour. Merci à tout ce que vous faites à Bourganeuf. Et Didier, il n'est pas dans nous trois, là, mais j'ai un clin d'œil à Didier. Et puis, aux deux coprésidents, hein, à Joachim. Qui c'est ça, hein, au président, je me trompe pas, notamment. Et ensuite, je voudrais aussi remercier tous les clubs de la Creuse, parce que le Mini-Tour Creusois, c'est tous les clubs de la Creuse. Et ça, c'est important. Il y a le VC Gouzon, il y a Creuse Oxygène, il y a le VC La Souterraine, il y a l'AC Grandbourg, il y a Bourganeuf, hein, on vient de le citer, il y a Boussac, il y a Feltin, on est bien d'accord, Gouzon, on vient de le citer, le Tour de la Creuse, qui est une association communautaire qui est affiliée. Il y a Jean-Luc Roby avec la S Franchesse qui nous a rejoint il y a quelques années dans ce parcours. Voilà, tous ces clubs, il y en a 12. Je vous félicite du bénévolat. J'ai oublié le CC Mensa Evo qui fournit beaucoup avec l'équipe de Christian Bonichon. Je pense avoir fait le tour des 12. Merci à vous, merci à tous. Que cette soirée soit illuminée de récompenses et de réussites et de bonheur, et qu'elle vous donne envie d'être au Tour 2020 et de partager avec vous.
vos copains et de leur dire d'être présents au Tour 2020. Il n'y a pas que les meilleurs qui viennent faire le Tour 2020, il y a tout le monde qui vient faire le Tour. Voilà, merci à tous, merci Monsieur le Maire, merci Didier, et à bientôt.